mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwimmt den stillen Horizont.
Wie ein Glas Tropfen Blut.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Plötzlich
schon im Osten der grüne Horizont. Der Mondstrahl ist das Ruder.
m'a proposé quelque chose que je n'ai jamais fait, mais on va essayer l'expérience. Il m'a dit s'il y avait des questions, comme on est presque entre nous là en famille, s'il y a des questions, je peux essayer de répondre, voilà, sur Pierrot Lunaire après le concert. J'espère que ça ne va pas gâcher la musique, mais voilà, on peut donner des exemples aussi si vous avez envie d'informations. N'ayez pas peur de poser des questions. Alors, si tant. On va faire. Ah, mais non, mais toi, attends, Léo. Parce que mon but avec cet ensemble, c'est de. Bon, bien sûr, par la musique, mais aussi peut-être en parlant, d'amener plus près de vous toute cette période de la musique qui est le début du XXe siècle où il y a un renouveau du langage. Et donc d'expliquer si ça peut aider. Voilà. Par exemple, sur Pierrot, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Rien, la musique vous a suffi. Et qu'est-ce que vous mettez encore dans les concerts avec tu as des commentaires, pas de questions. J'ai des commentaires, pas de questions. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions. Pardon, madame. Et qu'est-ce que vous mettez encore dans les concerts avec Pierrot? Avec cet ensemble, ouais. Eh ben, on met toute la musique. Avec Pierrot, avec cette pièce. Avec Pierrot ouais. Et rien, c'est une pièce qui se suffit à elle-même, mais on pourrait mettre d'autres choses. Ouais, par exemple, pause, après, y a parties, ce qui est intéressant avec Pierrot, c'est que c'est la première pièce de l'histoire, je pense, qui a été écrite pour un ensemble comme ça, avec voix. Et après ça, donc en 1912, après ça, il y a eu comme une étincelle chez tous les autres compositeurs, parce que Stravinsky était présent à la première, en décembre 1912 à Berlin, quand Schönberg lui-même a dirigé la première de cette œuvre. Voilà, et Stravinsky, il a été épaté surtout par la formation instrumentale, en fait. Et il a tout de suite composé une pièce pour le même type de formation, qui s'appelle « Trois poésies de la lyrique japonaise ». Alors qu'il était en train de composer le « Sacre du printemps », il a fait une pause et il a composé cette petite mélodie. Voilà. Après, il en a parlé à Ravel, et qui lui a dit « c'est fantastique ». Et Ravel, sans connaître Pierrot, a aussi composé un cycle. Poème de Mallarmé. Et puis, ils l'ont créé en 1914, et comme c'était avec cette formation, un autre compositeur, Maurice Delage, a aussi écrit une pièce. Bon, et ça a été le début, et maintenant, la musique d'ensemble, comme vous savez, c'est partout... pour des raisons économiques aussi, et aussi parce que le compositeur est obligé de chercher dans les détails de tout mettre dans un petit ensemble de musiciens. Et ce qui est fantastique dans ce Pierrot, je trouve, c'est justement l'utilisation qu'il fait de chaque instrument, avec seulement voilà, ce petit groupe-là, on a vraiment des explosions, et puis toute l'utilisation des possibilités du violon, ponticello, sultasto, jouer avec le bois de l'archer, le flatotsung, tous les effets de résonance du piano. Donc c'est un rendement maximal avec très peu de moyens. Et en fait, normalement, c'est un seul musicien qui joue violon et alto. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui joue les deux. Donc, on a pris deux. Voilà. Et donc, normalement, il y a encore un musicien de moins. Et peut-être parler un tout petit peu du choix de texte. Comment c'est... Alors, donc, c'est un texte de Albert Giraud. C'était un poète symboliste belge de la fin du 19e siècle. Et en fait, une chanteuse est venue voir Schönberg. Et alors qu'il vivait donc à Berlin en 1911, il était professeur au conservatoire, et une chanteuse allemande est venue lui voir, et cette chanteuse, qui s'appelle Albertine Zimmer, était avant chanteuse wagnerienne, enfin elle avait étudié avec Cosima Wagner, et en fait elle a perdu sa voix un petit peu, je crois, elle a bifurqué vers un type de mélodrame, c'est-à-dire elle parlait sur la musique. Et elle a demandé à Schönberg de lui écrire sur ses textes. C'est elle qui lui a proposé ces textes, d'écrire voilà, Pierrot Lunaire, et donc de Albert Giraud, mais traduit en allemand de manière assez libre, en fait. Ça, c'est assez éloigné des textes originaux par Hartleben, voilà, poète allemand.
Donc il a pris ses textes et il n'avait pas composé depuis quelques mois, il était un peu en panne. Et tout à coup, il y a eu une... Ça a été incroyable, il a composé très très vite. C'était parfait pour lui en fait, ces textes. Parce que il y a la légèreté qui lui correspond très bien en fait à Schoenberg, qu'on oublie, je pense. Parce que quand vous entendez, il y a tous ces petits rythmes très très précis de danse. Viennoise du 18e siècle qui correspond bien à l'état d'esprit commedia dell'arte du texte en fait, parce que ça parle de Pierrot, Colombine et tous ces personnages là. Et en fait, lui qui avait toujours fait des choses très sérieuses, tout à coup a fait quelque chose d'ironique, léger et aussi un petit peu comment dire, terrifiant, enfin décadent, de siècle, et ce mélange là lui allait parfaitement. Donc il a composé en 3 mois, et après ça a été sa pièce préférée, et c'est vraiment son œuvre principale et une des œuvres principales en fait du 20e siècle, enfin de la première moitié du 20e siècle. On ne connaît pas ses textes en français, pas du tout. Non, Albert Giraud, on ne connaît pas du tout. C'est, il y a Maeterlinck et Albert Giraud. On connaît beaucoup Maeterlinck, on connaît moins. Il n'a pas beaucoup écrit, je crois. Il a écrit dans sa jeunesse, puis après il a arrêté. Et, mais les, on ne connaît pas les textes, c'est très beau. C'est hérité un peu de Baudelaire, enfin, cette ambiance. Voilà, fin de siècle. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il était vivant, Oui, mais il n'est pas venu, je crois. En fait, il avait abandonné la poésie. Mais il s'est tourné vers autre chose. C'est intéressant ça, de voir que deux écrivains symbolistes belges ont été à la naissance de deux des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle, Pédéas en 1902 et 10 ans plus tard, Pierrot Lunaire. Tout à fait. Et Schoenberg avait déjà composé 2 pièces sur Maeterlinck, Pédéas et Mélisande, de Schoenberg, pour orchestre. Oui. Et puis juste avant ça, un tout petit poème qui s'appelle Herzgewächse, qu'il avait écrit pour le Blaue Reiter de Kandinsky. Et d'ailleurs, c'est aussi un des buts de cet ensemble, c'est de rapprocher, enfin de rapprocher, de faire entendre la musique de la même époque que Kandinsky ou Picasso, tous ces grands peintres qu'on connaît vraiment très très bien et qu'on apprécie, enfin... Si vous faites une rétrospective Kandinsky à Pompidou, il va y avoir tout de suite énormément de visiteurs. Et Kandinsky travaillait vraiment main dans la main, surtout à cette époque-là, avec Schoenberg. Ils ont eu la même évolution parallèle. C'est le début de l'abstraction, c'est-à-dire le début de la musique atonale. Et ils ont donc fait cet almanach du Blaue Reiter ensemble, où Schoenberg a composé une pièce, etc. Donc dans les deux sens. Et... des fois, il ne faut pas faire trop de parallèles, mais on entend dans cette musique les mêmes explosions, je trouve, de couleurs, enfin, les choses qui fuient comme ça, qui jaillissent. Et puis aussi, c'est cette manière de laisser parler le profond, l'inconscient, voilà, avec les cris, avec les... Tout dans la musique, de la même manière que Kandinsky laisse parler ses pulsions, enfin, dans les périodes... dans les œuvres de cette période. Après, c'est devenu beaucoup plus formel, avec des triangles, tout ça, et on a la même chose chez Schoenberg, puisqu'après, il va créer la série qui est quelque chose de beaucoup plus méthodique et organisé. Là, on est dans la liberté mêlée à quand même des éléments analysables, enfin, il y a des choses de danse, comme je disais, du XVIIIe siècle, et aussi des formes de canons entre les instruments. Il y a une passaca, il y a un moment avec un thème qui revient tout le temps. Ouais, c'était mi sol mi bémol, mais c'est pas. Voilà, mi sol mi bémol, qui passe d'un instrument à l'autre, tout ça. Donc il y a quand même une organisation derrière, le mélange, là, justement, c'est ça qui fait l'œuvre si extraordinaire, c'est le mélange entre les pulsions, l'inconscient qui parle et l'intellect. Qui ramène tout à des formes quand même bien compactes. Et vous avez vu donc 3 parties de 7
poèmes chacun bien unifiés dramatiquement, bien unifiés. Voilà, c'est ça qui fait c'est ce mélange, tout vient en même temps dans Pierrot, et c'est ça qui fait que c'est une œuvre aussi importante. Est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions acoustiques étaient les créations, dans quel type de salle? La création, oui. C'était une plus grande salle, mais pas immense. Ah oui. Une salle assez grande, je ne sais pas combien de places, peut-être 300. Elle n'existe plus, c'est à Berlin, Corallionsaal, elle a été détruite. Mais ce qui était incroyable, c'était que donc Schoenberg dirigeait, ils ont fait 25 répétitions, tellement c'était difficile pour l'époque. Schoenberg dirigeait et il y avait un paravent qui cachait tous les musiciens. On voyait que le dos de Schoenberg et la chanteuse costumée en Pierrot, toute seule devant le paravent. Donc on entendait un son sans savoir qui jouait. Mais ça a été un succès en fait tout de suite, à part la critique habituelle. J'ai des questions. Parce qu'on est en direct sur YouTube. Wow. Ah bon. Pouvez-vous donner quelques exemples de la manière dont cette composition rompt avec ce que l'on attendait de la musique à l'époque? Tout. Alors, ce qui frappe, il y a deux choses qui frappent, je pense, en tant qu'auditeur. Dès le début, c'est pas de tonalité, on flotte, pas de tonalité, vous comprenez, ça veut dire pas de note principale sur laquelle on revient, on flotte tout de suite dans une sorte d'égalité des 12 sons. Ça, c'est Schoenberg qui l'a inventé, quelques années auparavant, son deuxième quatuor à cordes avec voix. Et à partir de là, il a libéré, il a oublié, il a laissé l'ancien système, et il y a d'abord ce flottement, vous l'entendez, on n'est pas obligé de rejouer le début, ça marque tout de suite. Ensuite, c'est le Sprechgesang, la manière qu'il demande à la chanteuse de chanter, parler. Sprechgesang, c'est donc entre les deux. Et tout de suite, on est dans un autre univers. Enfin, si on pense 1912, il n'y avait rien de similaire. Il y avait Schumann déjà. Schumann, oui, mais ils écrivent, les compositeurs jusqu'à maintenant, il y a la musique et puis il y a le texte qu'on doit parler sur la musique. Là, Schoenberg écrit la hauteur des notes. Il demande dans la préface attaquer la note là où elle est écrite et ensuite descendez ou montez, mais ne restez pas dessus, sinon ça va être du chant. Alors, c'est très difficile parce que la hauteur qu'il donne, c'est pas la hauteur de la voix parlée. La voix parlée est assez grave, lui il est tout de suite en haut, donc ça fait tout de suite quelque chose qui chante. Mais il n'y a pas de solution pour ce Sprechgesang, ça fait 110 ans que ça existe, on ne sait pas comment le faire. Et il faut décider. Avec Alex, on a décidé d'étudier les notes vraiment précisément et ensuite de se libérer un peu de ça et de choisir les notes qu'on allait chanter. Par exemple, moi j'aime bien qu'au début des phrases, on chante la bonne note et ensuite on lâche un peu. Donc on a décidé comme ça. Et puis, il y a des moments où il y a vraiment un canon entre la voix et les autres instruments. Donc, il faut qu'elle chante les hauteurs, sinon on n'entend pas la mélodie qui se répète entre un instrument et un autre. Donc il y a des moments où il faut chanter, d'autres moments, surtout les parties, troisième partie où il y a des pièces très rythmiques, là c'est plus animé, et elle peut plus parler. Il faut choisir. Voilà. Donc ça c'est les deux choses qui marquent beaucoup. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps plus, mais la troisième chose, moi qui aussi, je trouve très frappante et dont on ne parle pas très souvent chez Schoenberg, c'est la rapidité du rythme, enfin la vivacité, la virtuosité rythmique qui demande, enfin tous ces rythmes, vous avez entendu, enfin c'est ça aussi,
ça n'existait pas auparavant. Enfin, une telle qui demande aussi une manière nouvelle pour les musiciens de réagir et d'être très très concentré. Il n'y a pas de place possible au hasard. Et ces petits rythmes très très précis, rythme très précis et rubato général. C'est ça qui, il y a les deux niveaux de flexibilité rythmique. Les petits rythmes intérieurs et le tempo général qui fait des grandes vagues comme ça, comme chez Wagner. On accélère, on recule, en même temps que la flexibilité interne. Ça, c'est toutes des caractéristiques, mais vraiment nouvelles, enfin, pour cette époque. Et qui restent aujourd'hui encore très, très vivantes et neuves. Et très difficiles à chanter. Oh, très difficile à chanter, à jouer, très très difficile, encore. J'ai une question juste anecdotique. Vous vous souvenez peut-être, à l'époque, Pierre Boulez a fait Aix-en-Provence Schoenberg, et au milieu, derrière, elle avait la stèle sur laquelle était le vrai singe. Je n'ai pas entendu, pardon. Elle avait le singe. Un singe, ah oui, un singe, oui, tout à fait. Oui. Et j'avais compris, enfin, je ne sais pas du tout quel est le rapport. Ah oh, non, j'en sais rien. D'accord. Il y avait le chêne, il était juste derrière. Il n'est pas dans la partition, le singe. C'était le choix du metteur en scène. Merci beaucoup, merci à nos musiciens. Ah, pardon, encore une question. Je voulais juste dire que enfin, moi, j'ai été complètement éberluée par la beauté des couleurs instrumentales. C'est ça. Et stupéfiée par la difficulté, la beauté de ce que vous avez chanté, Alexandra. Et je, pendant tout le temps, je me disais, mais c'est à la fois tellement précis, tellement composé et tellement complètement libre. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas cette musique, c'est extrêmement incompréhensible. Et je me disais, mais comment fait-on pour travailler cette partition quand on est chanteuse? Alors, on a beaucoup travaillé. Ça fait 4 mois qu'on a prévu ce concert. On a travaillé avec Kyoko au piano, tous les trois, régulièrement. Pour le faire rentrer vraiment, en fait, il faut être très précis. La liberté vient quand on est d'abord très très précis. Mais bon, Alexandra est à moitié allemande, à moitié française, donc elle a déjà la chance de comprendre. Le texte, voilà, le texte c'est facile. Elle le dit parfaitement bien. Oui, voilà. Vas-y, Alexandre, mets-toi sur la scène, réponds à la question. Ouais. Comment j'ai travaillé ça. J'ai d'abord lu les textes sans la musique, sans rien, pour avoir un sentiment du texte. Après, j'ai travaillé le rythme, pareil sans les notes, pour avoir le texte sur le rythme, pour trouver aussi beaucoup de la structure de texte est déjà marquée dans le rythme. Des punctiert, tu peux les utiliser pour les consonnes. C'est quoi punctiert en... Ouais, des notes pointées. Voilà, il y a des moments où placer les consonnes, ça se crée dans le rythme en fait. Et après, on a commencé à donc travailler les hauteurs des notes, à prendre les mélodies. Ça, c'était lent. et c'était pour moi aussi une découverte. J'ai commencé par vraiment les chanter. Après, je me suis rendu compte que je sais les chanter, mais quand je viens dans le Sprechgesang, je perds les tonalités. Donc après, je les ai travaillées plus parler que chanter. Du coup, ça rentrait. Donc moi aussi, j'ai appris avec cette pièce comment aborder le Sprechgesang, en fait. Il y a un très bon tonitus. Oui. Oui, ça va assez... et ça va surtout très très grave. donc c'était pour moi aussi une découverte, mais très, très enrichissante et toujours, je parle, passionnante, ouais. Et après, on grandit en le faisant, en fait. Il y a encore des trucs qui se créent sur le moment, un peu, qui... C'est après, le travail avec les instrumentistes, une fois que vous avez travaillé tous les trois, cette rencontre avec tous les sons,
Vous avez fait combien de répétitions? Très peu. Vous demandez? Très peu. Enfin, c'est les gens des Non. En 3 jours, 3-4 jours. 3-4 jours. Ouais, en même temps, moi j'étais là 15 jours et demi. Hein, parce que oui, bon, dans les conditions complexes actuelles. Mais ils sont fabuleux, les jeunes étudiants de la Hans Reichner.